Santa, l'auteur-compositrice de 31 ans, connue pour son titre Popcorn Salé et membre du groupe Hyphen, était invitée au micro de Europe 1 ce samedi 25 mai au matin. Samantha Cotta, de son vrai nom, a notamment évoqué sa participation au concert des Enfoirés, qui ont eu lieu du 17 au 22 janvier dernier à l'Arkea Arena de Bordeaux. La jeune femme venait alors d'intégrer la troupe. Au micro de Lénaïgue Monnier, elle a expliqué avec reconnaissance avoir été accueillie avec immensément d'amitié par les autres artistes apportant leur contribution à l'association des Restos du Cœur. Un en particulier l'a prise par la main avec bienveillance, comme elle l'a raconté. Quand je suis arrivé, j'étais timide, parce que j'avais envie qu'on m'aime et d'intégrer la troupe, a affirmé Santa en riant nerveusement et en comparant ses débuts à un premier jour de classe. Tu fais 3-4 blagues pour voir si elles peuvent permettre de tisser des liens, note de la rédaction. En plus, quand je stresse, je fais beaucoup de blagues. Et j'ai trouvé des copains, copines de blagues, a développé la chanteuse en indiquant qu'elle connaissait déjà Christophe Willem, membre de la troupe des Enfoirés depuis 2008, et qui lui a permis de mieux s'intégrer dans la troupe en le présentant à ses nouveaux camarades de scène. Supérieur à supérieur à les Enfoirés. Jean-Jacques Goldman, Muriel Robin. Ils ont quitté la troupe un artiste également présent sur le terrain, mais ce n'est pas le seul puisqu'un autre artiste l'a aidé à se sentir davantage à l'aise, surtout dans son engagement en faveur des personnes défavorisées. Il y avait Patrick Fiori qui a fait un peu le parrain. L'auteur-compositeur de 54 ans l'a en effet accompagné dans les centres de distribution où elle a fait du bénévolat avec les équipes des Restos du Cœur. Je voulais comprendre l'autre travail des bénévoles, a développé Santa. Pour rappel, le chanteur fait partie de la troupe des Enfoirés depuis 1999 et il n'a, depuis son arrivée, pas manqué une seule édition des concerts caritatifs annuels. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Sandrine Tézilla Panoramique. Just me.